C'est parti. Voilà, donc pour la suite de la séance du club de maths, nous avons le plaisir d'accueillir Sacha Buffetov, qui est chercheur à l'Institut de mathématiques de Marseille, mais qui en ce moment nous parle depuis Bologne, et qui va nous parler de Jensen, et je te laisse la parole. Die Mathematik gilt als die sicherste von allen Wissenschaften. Dass sie zu Ergebnissen führen können, die einander widersprechen, erscheint unmöglich. La mathématique sont la plus sûre des sciences. Qu'elle puisse donner lieu aux contradictions paraît impossible. Comme ça commence l'argument de Jensen pour démontrer la consistance de l'arithmétique formelle. Alors, pourquoi les mathématiques sont-elles la plus sûre des sciences? Qu'est-ce que c'est qu'une démonstration mathématique? C'est la première question que nous allons aborder avant de passer à Jensen, à la contribution spécifique de Jensen, et nous allons remonter beaucoup en effet, plus ou moins à l'époque de la fondation de la ville de Marseille, mais nous allons nous déplacer sur l'autre côté de la mer méditerranéenne, dans l'Asie mineure, et à Milette, où habitait Thalès, que la légende veut l'inventeur de la démonstration mathématique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une démonstration mathématique? Qu'est-ce que c'est qu'une démonstration mathématique? Comment convaincre quelqu'un d'une validité d'un argument mathématique? Alors, les mathématiques, comme je l'ai dit, est beaucoup plus ancienne que le monde grec. Évidemment, il y a les mathématiques dans le monde égyptien, dans le monde assyrien, etc. Par contre, des manuscrits dont on dispose, par exemple des Babyloniens, ne nous permettent pas du tout à comprendre comment eux arrivent à leur solution des problèmes. Donc, le manuscrit présente un problème, même les problèmes assez sophistiqués, les équations quadratiques, par exemple, présente une solution, mais il n'y a pas du tout de mécanisme, il n'est pas inclus dans les textes dont on dispose, il n'y a pas du tout de mécanisme pour voir la justification des résultats, pour voir la démonstration. Alors, semblerait-il que c'est le monde grec qui a introduit la démonstration en mathématiques. Et la légende veut que ce soit Thalès, comme j'ai dit, Thalès, mais il n'est pas, c'est une légende qui n'a peut-être pas de fondement, enfin, on ne sait pas. De toute manière, c'est à lui qu'on, c'est à lui que les commentateurs grecs ascrivent les premières démonstrations. Donc, notamment une démonstration que l'on ne va pas faire, mais que vous avez sans doute fait et que vous pouvez faire, c'est la démonstration de ce que l'angle qui se pose sur le diamètre d'un cercle, c'est un angle 3. C'est un théorème qu'aurait démontré Thalès. Julien, est-ce que vous voyez bien le tableau? Est-ce que c'est bien comme écriture? Est-ce que je dois écrire plus grand ou... C'est bien, ça va? Oui? Parfait. Après, on va faire une autre démonstration. La démonstration sur les triangles isocèles. Donc, c'est un autre résultat qu'on dit être de Thalès. C'est qu'un triangle isocèle... c'est un triangle dont deux côtés ont la même longueur, et donc le théorème de Thalès
dit que les deux angles sont eux aussi égaux. Alors, les deux angles sont égaux. Alors, comment démontrer ce théorème? En effet, ce théorème, dans le livre, évidemment, bien postérieur à Euclide, donc Thalès, c'est le 7e siècle, c'est bien avant Platon. Euclide, lui, aurait été l'élève de Docte, qui, lui, aurait été l'élève de Platon. Donc, c'est vraiment bien plus tard. Mais c'est le premier livre le premier panorama vaste qui nous est parvenu dans son intégralité et dont les démonstrations sont utilisées aujourd'hui comme elles sont décrites chez Euclide. Même le manuel de géométrie d'aujourd'hui a une dette importante envers Euclide, plus ou moins importante en fonction du manuel précis. Comment Euclide démontre-t-il cette démonstration sur le triangle isocèle que la tradition veut que cette démonstration appartienne à Thalès, même si ce n'est pas clair s'il s'agit d'une légende ou d'une vérité. Nous ne disposons pas de sources documentaires suffisantes pour faire ce jugement. Il faut encore dire que ce théorème avait un nom antique dans l'Antiquité. Ce théorème s'appelait Pons Asinorum, le pont des ânes, et ce nom se donnait parce que c'était le passage, le pont, justement, entre le parti plus élémentaire et plus difficile du texte d'Euclide. Donc le pont des ânes, dans le sens que seulement les élèves assidus peuvent traverser ce pont. C'est la terminologie ancienne, antique, de l'Antiquité. Alors, quelle est la démonstration que donne Euclide? Quelle est la démonstration que donne Euclide? Euclide dit, prenons deux points ici, tels que ces intervalles sont égaux, sont congruents aussi. Faisons deux triangles. Donc, j'ai A, B, C. Donc, et ça, c'est D et E. Et A, D est égal, j'écris peut-être ici, A, D est égal à A, E. Alors, dit Euclide, les triangles A, D, C et les triangles A, B, E sont congruents. Est-ce que ça va? Vous voyez? Non, vous ne voyez pas tout à fait. Excusez-moi, les signes A, B, E est égal à triangle A, B, E. Est égal au triangle ABE. Pourquoi? Parce qu'il y a deux côtés égaux et un angle égal. Donc, voilà, ces deux triangles sont égaux. Alors, poursuit Euclide. Les triangles DBE, le triangle DBE, est aussi égal au triangle DCA pour la même et exacte raison. DBE est égal au triangle DCE. DBE est égal à DCE. Pour la même et précise raison, on a déjà établi l'égalité de ces angles-ci par l'égalité des triangles, et donc on a établi l'égalité de ces triangles, encore une fois, deux côtés et l'angle entre ces deux côtés. Or, maintenant, poursuit Euclide, on a l'égalité
des triangles EBC est égal au triangle DCB. EBC est égal à DCB. EBC est égal à DCB. Voilà. Voilà. Pour cette même et précise raison. Pour cette même précise raison. Et donc, du coup, les angles sont égaux, eux aussi. Et les angles sont égaux, eux aussi. Et c'est la fin de la démonstration. Or, donc pourquoi ces triangles sont égaux? Par deux côtés et l'angle aussi. EBC par deux côtés et l'angle, comme ça. Deux côtés et l'angle. Et donc les angles sont égaux. Or, cette démonstration euclidienne, évidemment, elle exprime une idée sous-jacente de la symétrie. Et donc, justement, cette démonstration fait voir très explicitement la difficulté méthodologique de l'enseignement élémentaire de la géométrie, dans la mesure où on peut dire, et oh, la tradition veut que ce soit Pappus le premier à dire cela, on peut dire, mais regardons notre triangle isocèle. Imaginons le fait de papier. Coupons le triangle isocèle. Bougeons-le et mettons-le au même endroit. Alors, évidemment, il passera égal. Donc, bougeons-le, mettons-le au même endroit, il passera égal. Donc, les deux angles sont égaux. Il n'y a pas nécessaire de toute cette construction. Donc, on dit le pont des ânes, c'est ce dessin, c'est le pont des ânes, parce que seulement les ânes peuvent ne pas voir que juste il suffit de faire rotation, de faire la symétrie du triangle et l'interposer sur le triangle de départ et démontrer cette égalité. Donc, effectivement, déjà sur cet exemple très élémentaire, on voit que la question qu'est-ce qui constitue une preuve suffisante en mathématiques est tout sauf banal. Et tout sauf banal. Qu'est-ce qui constitue une preuve suffisante en mathématiques? Est-ce que cet argument de Pappus, est-ce que c'est une preuve? Ou est-ce qu'il faut passer par cet argument plus complexe d'Euclide? En effet, il faut le dire que ce débat se poursuit jusqu'à nos jours. Ce débat reste toujours d'actualité, dans la mesure où les manuels de géométrie se basent sur deux approches. L'approche d'Euclide et l'approche des transformations géométriques. Je ne sais pas, Julien, les manuels qui s'utilisent en France actuellement sont plus euclidiens ou plus sur les transformations, basés sur les idées des transformations? C'est peut-être pas moi le mieux placé pour répondre à ça. Ce que tu as fait... Je ne vais pas te dire. Euclidien? Euclidien. Euclidien. Parce qu'en effet, l'idée de baser l'enseignement de géométrie plus sur les transformations, c'est l'idée française. C'est l'idée française. Euclide s'utilisait, même le livre identique d'Euclide s'utilisait dans les écoles britanniques jusqu'au début de ce siècle. Et pas que là, et aussi d'ailleurs dans les écoles impériales de l'Empire, par exemple, austro-hongrois. Oui, ce que fait remarquer Julien, là, c'est que les transformations, c'est quelque chose qu'on faisait il y a quelques années et qu'on ne fait quasiment plus dans l'enseignement secondaire en France. C'est exactement le discours que je suis en train de faire. Il y a une oscillation. Ouais. Donc, l'idée, donc cette oscillation est implicite déjà chez Euclide, parce qu'en effet, Euclide, il a des isométries. Mais il arrive aux isométries assez tard dans son discours. Et donc, l'idée de faire des isométries plus tôt, elle est déjà dans l'Antiquité et elle arrive à l'enseignement de géométrie avec des Français. Et notamment, par exemple, en Russie, elle arrive très tôt parce que les premiers manuels de géométrie russe arrive direct de France, et donc cette idée arrive très tôt. Cette oscillation, elle est toujours présente. Elle est toujours présente dans l'enseignement de géométrie. L'oscillation entre les transformations et l'approche euclidienne synthétique, si vous voulez, comme ça. Voilà. Pour
passer à l'autre étape. Et là, je dois synthétiser beaucoup de choses. La logique, l'art de la déduction. Quelle déduction est-elle admissible? De quelle hypothèse est-ce que l'on peut tirer la conclusion? C'est une question qui occupe énormément les anciens, et Platon et Aristote, qui traitent les questions, ces questions dans deux manières complètement différentes. Et la logique est pendant très longtemps considérée une discipline à part, comme d'ailleurs la probabilité. Le calcul de probabilité, la probabilité, est pendant très longtemps, n'est pendant très longtemps pas considérée une discipline des mathématiques, c'est considéré une discipline à part. Par exemple, la géodésie, personne ne dirait que la géodésie, c'est un domaine des mathématiques, ça inspire les mathématiciens, mais ce n'est pas les mathématiques, la géodésie. Et donc, tel était le cas avec la logique, jusqu'à, semblerait-il, le 19e siècle, quand logique commence à se mathématiser. Et en se mathématisant, même si, évidemment, il faut le dire que les premières tentatives de la formalisation de la logique remontent aux anciens et à Leibniz, enfin, il y a tout un discours très intéressant, très complexe, que je vais entièrement passer du côté. Et donc, l'important pour moi en ce moment, c'est que la formalisation de la notion de la démonstration mathématique, de la preuve mathématique, mène tout de suite au paradoxe. Et là, je donne un très beau paradoxe dû à Grelling. Grelling, qui est un contemporain de Kelsen, avec un destin différemment tragique, mais tout autant tragique. Grelling, en effet, ayant des origines juives, cherche à échapper au nazisme, et il cherche à quitter la France, en effet, la France fasciste, pour partir aux États-Unis. Or, lui, Grelling, il est communiste, il est juif, mais il est aussi communiste. Et donc, les autorités de l'immigration des États-Unis ne précipitent pas pour l'accepter sur le sol américain. Et le temps que cela traîne, qu'il y a des échanges de lettres, le temps que cela traîne, la politique du régime de Vichy change. Et Grelling va direct à Auschwitz, où il meurt. Alors, Grelling formule le paradoxe de Grelling, qui est le suivant. Prenons les adjectifs de français. De français. Alors, il y a des adjectifs de français qui ont la propriété qu'ils expriment. Par exemple, masculin. Masculin, c'est un adjectif masculin. Court, c'est un adjectif court. Il est court. Si par contre, nous prenons l'adjectif rouge, il n'est pas rouge. L'adjectif rouge, lui, il n'est pas rouge. Si nous prenons l'adjectif monosyllabique, alors l'adjectif monosyllabique, lui, il n'est pas monosyllabique, il y a plusieurs syllabes. Si nous prenons par exemple l'adjectif pentasyllabique, donc l'adjectif qui exprime le fait que le mot a cinq syllabes, donc pentasyllabique, lui, il est pentasyllabique. Donc parce qu'il a cinq syllabes. Pentasyllabique. Donc, on dit que les adjectifs qui ont, eux, la propriété qu'ils expriment, sont les adjectifs homologiques. Et ceux qui ne l'ont pas sont étymologiques. Donc, je vais résumer cette discussion dans un petit schéma. Alors, court, masculin, pentasyllabique. Ont les propriétés qu'ils expriment. Donc, au contraire, rouge,
monosyllabique. Long. Là, on peut prétendre que les mots court et long ne sont pas très précisément définis, mais en effet, c'est pour cela que je les laisse, parce que c'est exactement sur cela que, sur cette base que se déroule le paradoxe. Donc je les laisse intuitivement, nous sommes d'accord que les mots court et long sont quand même les deux courts. Donc ces adjectifs sont homologiques. Et ces adjectifs sont hétérologiques. Alors, question pour la participation de la salle. L'adjectif hétérologique est-il hétérologique ou homologique? La salle participe. L'adjectif est... Alors, Antoine a répondu oui. Le paradoxe de l'adjectif hétérologique, c'est que si on le qualifie d'hétérologique, dans ce cas-là, il est homologique. Et s'il est homologique, dans ce cas-là, il devrait être hétérologique. Dans ce cas-là, il n'est ni homologique, ni hétérologique. Et pourquoi pourriez-vous, s'il vous plaît, développer cela? Pourquoi? Et pourquoi le paradoxe arrive-t-il? Je crois que Pierre l'a dit, c'est... Non, ça... non, mais pourquoi s'il était... Pourquoi s'il était... Ah, expliquez. D'accord. Alors, l'hypothèse que, disons, faisons l'hypothèse alors, qu'il est hétérologique. Pourquoi cette hypothèse vient-elle à la contradiction? Ça, si l'on suppose qu'il est hétérologique, cela impliquerait que le mot en lui-même, que le mot en lui-même aurait la qualité qu'il exprime, ce qui le rendrait homologique. Si au contraire il serait homologique, il n'aurait pas la qualité qu'il exprime. Et conséquemment, serait hétérologique. Parfait. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il faut d'autres... Est-ce que je peux avancer sur ce... Est-ce qu'on peut laisser... on peut avancer. Accessoirement, c'est comme la phrase... Cette phrase est fausse. Quelle phrase est fausse? Cette phrase, elle est fausse. C'est exact. C'est exactement cela. C'est une autre formulation du même paradoxe. Cette phrase, elle est fausse. Elle est fausse, oui. Oui, il y a aussi « je suis un menteur », etc. C'est exactement cela. Parfait. Donc là, super. Donc, et c'est exactement l'analyse de ces paradoxes qui mène les mathématiciens à une analyse plus approfondie des fondements du raisonnement logique en mathématiques, et qui nous livre au personnage principal du récit, à Gerhard Gentzel. Et là, je vais passer à un très bref résumé biographique de Gentzel, dont la biographie présente tout un nombre d'éléments intéressants. Excusez-moi que j'ouvre le tableau chronologique. Oui, c'est vrai que... Voilà. Excusez-moi. Donc, Gerhard Gentzel naît le 24 novembre 1909 à Greifswald en allemand, qui est une ville luthérienne en Poméranie supérieure, dans l'Allemagne actuelle, pas très loin de la frontière polonaise, mais dans l'empire où est né Gentzel, les frontières n'étaient tout à fait pas les mêmes. Donc, Greifswald, une ville universitaire et une ville d'un important peintre allemand, Caspar David Friedrich. Est-ce que, Julien, tu peux montrer le tableau de Friedrich que tu as dans le...
dans le diaporama. Exactement. Voilà, c'est ça. Le tableau, dans le plus pur style romantique allemand, représenterait effectivement les ruines aux environs de Greifswald. Donc, cela représenterait un paysage vrai, évidemment, idéalisé selon les critères romantiques. Alors, Gentzen naît dans une famille prospère, d'un commerçant, d'un juriste, spécialiste de droit commercial. Donc, c'est une enfance aisée. Il commence ses études et éclate la guerre. Comme résultat de la guerre, la famille perd toute la fortune et le père de Gentzen succombe à la. C'est la grippe espagnole en français, c'est bien cela, Julien. Oui, c'est ça. La grippe espagnole, oui, voilà. Donc, le père de Gentzen succombe à la grippe espagnole, tandis que qui ravage l'Europe et en effet tout le monde, un pourcentage important de la population du monde meurt comme résultat de la grippe espagnole. Mais aussi la famille donc est ruinée. Et après que Gentzen a 10 ans, au lieu d'une enfance, d'une petite enfance aisée, il doit mener une vie extrêmement modeste. La famille est abritée par les grands-parents, la grand-mère chez laquelle ils habitent est très lointaine. Il y a le grand-père qui est plus affectueux, mais que Gentzen voit extrêmement rarement, deux, trois fois par an. Donc, c'est la teneur de vie devient extrêmement modeste et les problèmes économiques poursuivront Gentzen jusqu'à la fin de sa vie. En effet, il ne pourra jamais avoir une condition économique, il ne pourra jamais atteindre la condition économique aisée dans laquelle il est né. Cependant, son éducation est de très haut niveau. Donc, nous sommes en Allemagne où l'éducation est classique et très très forte. Il y a un très fort courant d'éducation classique. En effet, Gentzen, dans l'école, participera dans les travaux du cercle de philosophie grecque. Il apprendra le latin où il excelle. Il est le premier de la classe en latin, comme d'ailleurs aussi Henri Poincaré. C'est un élève brillant, passionné, encore une fois, par la philosophie grecque. En effet, conformément au système de l'enseignement en place dans l'Empire allemand de l'époque. C'est déjà la République, mais le système le même, le système est impérial. Dans la République, dans la jeune République de l'époque. Alors, on fait souvent l'observation que les créateurs de la physique théorique moderne, par exemple Heisenberg, est le fils d'un byzantiniste et d'une philologue classique. Gibbs est le fils d'un professeur de la littérature sacrée. Cette observation est très souvent faite. Donc, de toute manière, Gentzen s'y inscrit parfaitement, selon le dit de Ulrich von Willamowitz-Möllendorf, que pour faire vivre des anciens, dit Willamowitz-Möllendorf, pour faire vivre les anciens, il faut les abreuver par notre propre sang. Donc, et c'est exactement le parcours classique de Gentzen. Évidemment, son talent pour les mathématiques s'observe. En effet, c'est son grand-père qui encourage ses études. Donc, dans une lettre, quand Gentzen, et là je le donne comme exercice
donc dans une lettre qu'écrit Vincent quand il a, je pense, 12 ans, il dit à son grand-père qu'il a démontré le théorème suivant, je l'énonce. Je pense que ce théorème a un nom aussi, mais j'oublie le nom. Donc, il dit qu'il prend en triangle arbitraire, il bâtit les triangles équilatères sur chaque côté de triangle de départ, donc équilatère, 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 et il démontre que ces points-là sont eux aussi fentes, eux aussi en triangle équilatère. Exercice. Exercice. Voilà. Donc, son talent pour les mathématiques s'observe. Et en effet, l'école est tout à fait disposée de lui laisser son certificat d'éducation plus tôt. Mais à la fin, ne le fait pas. Pour deux raisons. Pour la raison de santé. Donc, la santé de Gensen est très fragile. Cela l'accompagnera pour le reste de sa vie. Pour, comme l'explication qu'ils soumettent au ministère, ils ne le font pas parce que, comme ils disent, Gensen trouvait des problèmes à socialiser avec les compagnons de la classe. Et en effet, c'est juste maintenant qu'il commence à se sentir bien dans son environnement scolaire et il voulait justement le laisser dans le lycée afin qu'il étudie plus longuement. Il passe encore un an dans le lycée. En effet, Gensen, pendant toute sa vie, restera une personne extrêmement réservée, même s'il aura quand même un cercle d'amis très, très proche. En cercle d'amis très proche. Donc, stéréotype d'un mathématicien autiste n'applique pas à Gensen, non plus d'ailleurs qu'à d'autres mathématiciens, non plus qu'à Turing, par exemple. Il est tout à fait enserré dans son propre petit cercle social. Il est vrai extrêmement restreint. Extrêmement restreint. Gensen continue ses études à Greifswald et après va à Göttingen, qui est en ce moment le centre mondial des mathématiques. Alors, à ce moment même, Gensen aurait pu connaître Kolmogorov. Est-ce que, Julien, tu peux nous montrer Kolmogorov dans le... Voilà. Il aurait pu connaître Kolmogorov. Kolmogorov est de 6 ans. À 6 ans de plus que Gensen, Kolmogorov et Alexandrov vont très souvent à Göttingen, où notamment Alexandrov connaît très bien l'école topologique. En effet, ils sont ses co-auteurs. Alexandrov est plus âgé que Kolmogorov, mais aussi le jeune Kolmogorov, évidemment, il connaît les mathématiciens de Göttingen. Et Gensen et Kolmogorov aurait pu se croiser, et sauf erreur de ma part, il n'existe aucun témoignage, ni dans un sens, ni dans l'autre sens, si Gensen et Kolmogorov se sont croisés ou pas. Et j'évoque cela parce qu'en effet, Gensen et Kolmogorov, Gensen plus tard, mais Kolmogorov déjà avant ses visites à Göttingen, travaille sur un problème tout à fait important pour ce qui suit, le problème de la logique, du calcul logique intuitionniste. Donc le calcul logique intuitionniste. Alors, le principe classique de la logique, le principe absolument classique de la logique, c'est le principe de tiers exclus, tiers mandat. Donc, ou quelque chose, je ne sais pas, un nombre avec telle ou telle propriété existe, ou il n'existe pas. Euh,
Donc, il n'y a pas de tiers. Ce principe a attiré des critiques très vives dans la communauté mathématique de l'époque, notamment de mathématicien néerlandais Brouwer, mais aussi c'était tout un courant de pensée extrêmement important. Et la raison en est la suivante. Je demande à Julien. Julien, est-ce que nous allons faire le séminaire aujourd'hui? Et Julien me dit, mais Sacha, ou on va le faire ou on ne va pas le faire. Mais merci Julien. Mais alors, on va le faire ou pas? Pour le formuler en d'autres termes, donc lequel des deux? Pour le formuler en d'autres termes, si je dis un nombre tel n'existe pas parce que sa non-existence mènerait à une contradiction, c'est un discours. Si je dis « voilà le nombre », c'est un autre discours. Un exemple facile, c'est l'existence des nombres transcendants. Les nombres qui ne satisfont pas à aucune équation polynomiale aux coefficients entiers. Les nombres transcendants, on peut démontrer leurs existences, et Georg Cantor l'a fait, d'une manière totalement non constructive. Parce qu'en effet, le nombre des nombres algébriques est dénombrable, on peut énumérer tous les nombres algébriques, et donc, évidemment, comme on ne peut pas énumérer tous les nombres, donc s'il n'y avait pas de nombres transcendants, cela impliquerait une contradiction, parce que tous les nombres algébriques, on peut énumérer, et donc si on ne pouvait pas s'il n'y avait pas de nombre transcendant, on aurait pu énumérer tout le nombre, ce qui n'est pas possible. Et ça, c'est un argument infiniment charmant, sauf qu'il ne donne aucun nombre transcendant. Il ne donne aucun moyen de voir un nombre transcendant. Où sont-ils, ces nombres transcendants? Et en effet, c'est Joseph Liouville qui donne un critère assez général qui permet de construire explicitement des nombres transcendants. Des nombres transcendants. Il faut juste prendre les séries qui convergent suffisamment avec une rapidité suffisamment grande, ce qui fait que la somme est un nombre transcendant. Et d'ailleurs, ces séries portent le nom de Liouville, les nombres de Liouville, et c'est Kolmogorov qui les a investigués en très grand détail en rapport avec des problèmes de la mécanique céleste. Mais, or, une démonstration, donc on a deux démonstrations. La démonstration de Cantor qui donne l'existence d'un nombre transcendant parce que la non-existence d'un nombre transcendant impliquerait une contradiction, et l'argument de Liouville qui donne un exemple de nombre transcendant. Voilà, un nombre transcendant, la somme 1 sur 2 puissance n factorielle, voilà un nombre transcendant. C'est pas tout à fait pareil. Quoi que l'on pense de l'argument de Cantor, ça devient une question psychologique. Si on veut accepter un tel argument, si on ne veut pas accepter un tel argument, ça c'est une question, si vous voulez, psychologique. Par contre, la différence entre la preuve de Liouville et la preuve de Cantor, elle est précisément exprimable. Ce n'est pas une différence psychologique, ceci est une différence mathématique. Et justement, le calcul des propositions, le calcul des démonstrations explicites ou constructives, c'est l'insidie calcul des, le calcul intuitionniste. En effet, donc le calcul intuitionniste élimine le tertium lambda. Donc, le calcul intuitionniste. En effet, Kolmogorov a proposé un très bon modèle pour imaginer ce que c'est qu'une démonstration intuitionniste. Kolmogorov dit, une proposition est démontrable de façon intuitionniste, cela veut dire que je sais
résoudre un tel problème. C'est la capacité de résoudre un problème. Donc, si on pense dans ces termes-là, le personum dato n'existe pas. Parce que si j'ai un problème, par exemple, construire un tel nombre, donc, si vous voulez, démontrer que ce nombre est rationnel, un tel nombre est rationnel, par exemple. Démontrer qu'un tel nombre est rationnel. Donc, l'énoncé, donc, quand je dis un tel nombre est rationnel, alors, j'imagine de dire je sais démontrer que ce nombre est rationnel. Alors, quand je dis le nombre est irrationnel, donc, avec le principe classique, on dit ou le nombre est rationnel ou le nombre est irrationnel. Mais si on en inclut cette façon de dire de Kolmogorov, je sais démontrer que, il est clair que ce n'est pas vrai, que ou je sais démontrer que le nombre est rationnel, ou je sais démontrer que le nombre est irrationnel. Peut-être je ne sais faire ni l'un ni l'autre. Donc il n'y a pas de terce non dato. Le calcul intuitionniste, c'est le calcul des problèmes que je sais résoudre. Et il est tout à fait possible que je ne sache pas résoudre ni le problème, ni l'opposé du problème. Je ne sais tout simplement pas. Or, le théorème de Kolmogorov de 1925, c'est le théorème qui permet de lier le calcul classique et le calcul intuitionniste. En effet, avant les disputations extrêmement chaleureuses, d'ailleurs, soit en Allemagne, où c'était lié aux différentes traditions philosophiques, soit en Russie, où encore, cela est très particulier pour l'école de Moscou, l'intérêt de Kolmogorov et de l'école de Moscou pour les questions de fondement des mathématiques a un rapport direct avec la philosophie religieuse russe. Et en effet, un courant religieux important en Russie du début du XXe siècle, c'est l'ancienne glorification du nom, le courant de pensée chrétienne qui dit que le nom de Dieu est en lui-même un objet sacré. C'est tout à fait clair que cette idée peut plaire aux mathématiciens. Et en effet, le professeur de Kolmogorov, Luzin, était adhérent à cette doctrine. Et cette doctrine était officiellement interdite dans l'Empire russe, tant il est vrai que les bateaux de guerre russes se sont rendus dans le monastère grec d'Athos pour chasser les moines qui pratiquaient cette doctrine en 1913. Donc on voit que la distance entre le calcul intuitionniste et les bateaux de guerre n'est pas très grande. Le problème du rapport du calcul intuitionniste au calcul classique posé et résolu par Kolmogorov, c'est ce problème était un problème philosophique. Et c'est Kolmogorov qui lui donne un fondement mathématique très précis, et il démontre en théorème suivant que si l'on a une démonstration classique, ça c'est Kolmogorov 1925. Si on a une démonstration classique d'une proposition A, cela revient à la même chose qu'une démonstration intuitionniste de non-négation, de négation de A. Ici, il s'agit du calcul des propositions, sans quantificateur. Donc voilà, la démonstration classique de A, le fait que je puisse démontrer de façon classique une proposition A équivaut au fait que je puisse démontrer un calcul intuitionniste, donc sans utiliser la règle de Terceur non dato, le non-non-A. Évidemment, un calcul classique non-non-A équivaut à A, par le principe de Terceur non dato. Mais sauf que ce n'est plus le cas dans le calcul intuitionniste, où cela ne revient pas au même.
Et donc, exactement, c'est ça le théorème de Kolmogorov. Ce qui démontre, cela est absolument fondamental, que, comment dire, l'essentiel de la déduction ne change pas. L'essentiel de la déduction intuitionniste et classique ne change pas. C'est juste, il y a juste cette différence, si vous voulez, différence de costume. Une différence superficielle de costume. Il faut juste mettre cette double négation. Enfin, c'est le même calcul. C'est le même calcul des propositions. Et alors, j'évoque cela parce que Kolmogorov et donc son successeur russe, Glinenko. Et après lui, Glinenko. Et après lui, justement, Gentzen, notre personnage, Gentzen, et Goethe, Glinenko, Gentzen. Encore plus tard, donc le temps va au sens vertical ici. Donc Glinenko c'est 1929 et Gentzen c'est 1933. Et Gödel aussi donc, donne l'extension de ce résultat aussi sur l'institut de calcul des quantificateurs. Permettez-moi, comme je ne veux pas du tout entrer dans les détails techniques du calcul des quantificateurs, laissez-moi juste finir cette discussion ici. Que Gentzen donne l'extension de ce résultat de Kolmogorov, donne l'extension de ce résultat de Kolmogorov sur l'équivalence du calcul intuitionniste et du calcul classique, ce qui peut se voir justement comme un travail précurseur de la révolution gentzenienne, de la contribution fondamentale de Gentzen, qui est justement le calcul des sécants, ce dont on va parler tout de suite, et qui, si vous voulez, le théorème de Kolmogorov dit justement que la preuve, la structure de la preuve est la même. La structure de la preuve est la même, intuitionniste ou classique, c'est la même preuve, elle est juste écrite. Elle est juste écrite d'une façon quelque peu légèrement différente, dans les limites du calcul des propositions. Et donc, il est tout à fait logique à penser que Gentzen voulut voir plus en détail la structure des preuves, la syntaxe des preuves en mathématiques. Et pour commencer, du calcul des propositions et du calcul des prédicats, donc le calcul des quantificateurs. Julien, est-ce que vous voulez faire un intervalle ou je continue parce que je parle déjà pendant 50 minutes? Si on a qui souhaite faire une pause, dites-le, mais je propose qu'on continue parce que de toute façon, on doit terminer à 17h, donc... Il vaut mieux enchaîner. Hein. C'est comme vous voulez. On peut toujours faire un intervalle de 3 minutes, par exemple, si vous voulez. C'est comme vous voulez. Voilà, si quelqu'un veut une pause de 3 minutes, qu'il le dise immédiatement, et sinon, on continue. Sinon, on continue, tout à fait. Donc, on continue. On continue, d'accord. Parfait. Donc, et je passe donc direct au descriptif de la démonstration selon Gentzen, du formalisme des démonstrations selon Gentzen et du théorème fondamental de Gentzen, Hauptsatz, qui permet à donner un sens précis, à donner un sens très précis à l'énoncé avec lequel on a commencé l'exposé, que les mathématiques n'ont pas de contradiction. Formalisme de Gentzen, le formalisme du calcul logique de Gentzen. Avant que je ne commence, il faut faire un petit préavis. En effet, Gentzen a développé deux formalismes. Donc, il y a le calcul des sécants, celui qu'on va
développer aujourd'hui. Et il y a aussi, là on s'est dit, déduction naturelle. Déduction naturelle. Donc on ne va pas parler aujourd'hui de la déduction naturelle. On va juste parler du calcul des séquences. Ce sont deux systèmes différents de la formalisation de la démonstration en mathématiques. Et aussi, avant de commencer sur cette partie de l'exposé, laissez-moi dire deux mots sur mes sources. Donc mes sources, en effet, ma source principale pour les mathématiques, c'est le livre de notre collègue marseillais, Jean-Yves Girard, sur la théorie de démonstration. Donc Girard, 87. Ça, c'est la source mathématique. Et il y a aussi un livre classique d'où Julien tire les exercices pour la séance d'aujourd'hui, de l'édition russe, mais il y a aussi l'édition anglaise. Il y a le livre très classique de Gaius Tétio, qui s'appelle Théorie de démonstration. Donc ça, c'est pour les mathématiques. Par contre, pour les éléments biographiques, j'ai profité d'une très belle biographie de Gensen par Metzler Trott, le biographe allemand. Donc il y a une édition allemande et une édition anglaise de la Société mathématique de Londres en collaboration avec la Société mathématique américaine. Metzler Trott qui s'appelle en allemand Le problème de Gensen. Et en anglais, Gensen, un génie perdu. Donc ça, cela pour l'histoire. Évidemment, Metzler-Trott parle aussi des mathématiques, et il faut dire que le point de vue de Metzler-Trott est extrêmement personnel. Mais ça est vrai aussi d'une moindre mesure, cela est vrai aussi de Girard. Donc les évaluations de Metzler-Trott, comme ceux de Tolstoï dans La guerre et la paix, sont extrêmement personnels. Ok, donc, et là, je commence à exposer donc, le calcul des séquences. Le calcul des séquences. Gensen écrit une preuve mathématique d'une façon très particulière. Donc la preuve s'écrit comme ça. Donc il y a déjà la barre verticale. Donc après il y a un symbole que Julien me dit qui en français se dit pèse. Donc après il y a quelques formules, donc c'est un ensemble, c'est une famille des formules que je note gamma. Ici, il y a delta. Ici, il y a lambda. Et ici, il y a pi. Voilà. Voilà la forme dans séquence de Gensen. Alors, l'aspect difficile pour le débutant du formalisme de Gensen, en effet, d'ailleurs, il faut dire que les articles de Gensen sont écrits avec une clarté absolument remarquable. Par exemple, les articles de Gödel ou de Kolmogorov. C'est vraiment pas possible de comprendre. Donc, Kolmogorov, il écrit en russe en plus, mais c'est vraiment impossible de comprendre ce qu'il écrit. C'est tout simplement pas possible. Gensen écrit, et Gödel c'est pareil. Gensen écrit avec une limpidité absolument inouïe dans les textes sur la logique. Par contre, la difficulté pour le débutant, c'est que le signe de l'implication a trois incarnations, dont deux plus ou moins les mêmes et une très différente dans l'écriture de Gensen. Donc, il y a la barre horizontale qui dit que de,
de cela, il en suit cela. Il y a la thèse qui dit que cela implique cela, mais aussi dans Delta, par exemple, il peut y avoir une formule avec une implication logique. Alors, voilà, donc il y a trois signes qui font référence à une déduction logique, au fait que d'un énoncé découle, d'une proposition découle une autre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette thèse? Cette thèse, ça veut dire que la conjonction de ces formules-ci, implique la disjonction de ce formule-là. La conjonction ici implique la disjonction. Ça, c'est l'énoncé. Et donc, ça veut dire que de cela suit cela. De cette gamma thèse delta découle, on fait la déduction que lambda implique. Alors, il y a les règles, les règles de déduction. Donc, les règles de déduction que je vais maintenant énoncer. Donc, évidemment, il y a des règles complètement banales. Par exemple, si j'ai ici d gamma, alors évidemment, je n'ai pas besoin de d. C'est clair. Je n'ai pas besoin de répéter la même phrase deux fois. Ça, c'est clair. Évidemment, on peut faire les permutations autant qu'on veut. Il y a les règles logiques, par exemple. Si j'ai gamma delta d, alors delta avec une négation peut se mettre ici. Non, delta gamma thèse. Non, d gamma thèse delta. Effectivement, si de gamma, si gamma implique delta ou d, alors la négation de d et gamma implique delta. Ça, c'est clair. Donc, je ne vais pas écrire toutes les formules en même temps parce que sinon, j'ai pas assez de place. Il y a exactement la même formule. Il y a exactement la même formule de l'autre côté. De l'autre côté, il y a exactement la même formule. Ça revient absolument même. Donc, évidemment, ça revient au même. Ça revient au même. Après, il y a aussi les formules liées aux conjonctions, disjonctions. Par exemple, ben évidemment, si j'ai d gamma thèse delta, alors si j'ai c et d, ça va. Si je fortifie l'hypothèse, la conclusion n'en découle pas moins. La conclusion, on ne découle pas moins. Après, la même chose pour la disjonction. Évidemment, la même chose. Après, les quantificateurs, pour l'implication. Je vais écrire les formules pour l'implication parce qu'elles sont un tout petit peu plus délicates. Je vais écrire les formules pour l'implication, mais on voit bien que, enfin, il s'agit vraiment des règles logiques, les mêmes qu'on apprend à l'école. Donc, si j'ai gamma implique, donc je puis accumuler plusieurs ensembles de formules, laissez-moi écrire et vous verrez ce à quoi je fais référence.
Ça, c'est un peu plus compliqué, mais pas beaucoup. Julien, est-ce que vous voyez bien cette formule? Parce que là, elle est un peu plus, on va dire, plus complexe que les autres. Oui, oui, ça va. Ça va, d'accord, parfait. Donc ici, j'ai deux. Donc je dis que gamma, thèse, delta et C. D et P, thèse, lambda. Donc évidemment, si C découle D, si C implique D, si C implique D, et j'ai gamma et P, alors là, du coup, je puis faire la déduction de ou delta ou lambda. Oui, si je sais que C implique D, oui, je peux passer. Donc c'est l'interaction de l'implication et de la règle thèse. Et la même règle de l'autre côté, qui est plus simple. Donc évidemment, si j'ai C gamma thèse delta B, alors j'ai gamma thèse delta C implique D. Bon. Oui. Si C et gamma implique ou delta ou D, alors gamma en lui seul implique ou delta ou le fait que C implique D. Bon. Pas de grande surprise non plus. Donc, ce sont vraiment des règles extrêmement intuitives et simples. C'est ça, d'une certaine manière, c'est ça l'idée de Gensen. C'est vraiment, si vous voulez, banaliser la déduction mathématique, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, j'écris les quantificateurs, et après, je viens à la formule absolument essentielle. Donc, les quantificateurs, il n'y a pas de surprise là-bas non plus, c'est ce que vous pouvez croire que c'est. Donc évidemment, si j'ai f de t gamma thèse delta, alors j'ai pour tout x, f de x, quand même gamma thèse delta, mais ça c'est clair. Et le même pour l'existence. Ici, en effet, ici, je suis un peu frivole. Il faut faire très attention avec l'utilisation des variables ici, sinon on arrive très rapidement. Il faut faire vraiment très attention à ce comment sont formulées, excusez-moi le pléonasme, formulées les formules sur lequel on met un quantificateur pour éviter que la même lettre fasse partie de deux quantificateurs différents, enfin pour éviter des choses comme ça. Mais Sacha, en haut, tu n'as pas de quantificateur du tout, n'est-ce pas? Exactement. Exactement. Donc, comment il faut comprendre ça? C'est une formule f de t. Par exemple, je peux avoir f de t implique f de t, c'est une axiome. D'accord. C'est une formule. Et donc là, je puis voilà. Là, je puis ajouter ici, là, je puis dire pour tout x implique f de t. Donc, je me permets des formules comme ça. Oui. F de t, je me permets des formules. Par exemple, f peut être un prédicat que le nombre est pair. Voilà, ben, effectivement, fais-le sur un exemple, ce sera peut-être. Mais c'est ce que je fais. Oui, non, mais remplace f par le nombre est pair. Oui, et c'est ça. C'est exactement cela. Est-ce que je ne suis pas sûr de comprendre la question. Qu'est-ce qui n'est pas clair, Julien? C'est exactement le même f, c'est quelques propriétés. Oui, oui, c'est clair. Enfin, s'il y a des questions. De toute manière, comment le dire? Il y a des nuances ici que de toute manière je passe sous le tapis. Si vous voulez qu'on fasse, qu'on approfondisse le calcul des prédicats, on peut tout à fait le faire, mais ça, il faut une séance à part.
Si tu veux que je fasse une séance sur le calcul de prédicat, on peut tout à fait le faire, mais là, pas dans 10 minutes. Donc là, je dis tout simplement que là, si vous voulez, le calcul des prédicats de Gentzen est tout à fait conforme au calcul classique des prédicats. Il n'y a pas... C'est très similaire au calcul Hilbertien, si tu veux, des prédicats. Je propose, Julien... Oui, continue, c'était... Je propose, voilà, de cacher cela sous le tapis, mais on peut y revenir, si tu veux, on peut y revenir, on peut faire toute une séance approfondie sur cela, cela mérite absolument une séance approfondie. Alors, donc il y a aussi la même formule, exactement la même formule, de l'autre côté. Et alors maintenant, il y a la règle absolument essentielle, et celle-ci très non triviale, et qui fait toutes les sens, si vous voulez, de la démonstration mathématique, et c'est la règle de la coupure. La règle de la coupure. La règle de la coupure. Et la règle de la coupure dit que gamma T lambda. Et alors on peut couper ce D. Alors gamma P implique delta lambda. C'est ça la coupure. Donc si l'on a que, donc dans notre interprétation, est-ce que vous m'entendez, Julien? On t'entend. Ah d'accord. Si gamma implique ou delta ou D, tandis que D et pi implique lambda, alors gamma et pi implique ou delta ou lambda. Si on y pense intuitivement, c'est tout à fait clair. Si on a et gamma et pi, alors il y a ou delta ou lambda. Lambda. Mais par contre, ici, D est disparu. Donc, toutes les formules que l'on avait avant, toutes les règles que l'on avait avant, et c'est ça l'essentiel, du formalisme de Gentzen. Julien, on va peut-être revenir au Gentzen, justement. Kolmogorov, on a déjà discuté. Reviens, s'il te plaît, à la photo. Voilà, c'est ça. Donc, merci beaucoup. Toutes les autres règles ne font rien disparaître. Toutes les sous-formules qui étaient en bas étaient aussi en haut. Et notamment, une preuve qui n'utilise pas la règle de la coupure ne peut pas mener à une contradiction. Parce que cette contradiction devrait apparaître, si elle apparaît, si sur l'étage, sur le dernier étage apparaît une contradiction, alors cette contradiction aurait dû y être à l'étage précédent, et alors elle aurait dû être dans l'étage précédent, etc., etc., elle aurait dû y être au tout début. Donc, sauf la règle de la coupure, toutes les autres inférences ne font pas décroître la quantité des sous-formules. Donc toutes les sous-formules restent. C'est ça l'idée de Gentzen. Donc du coup, on ne peut tout simplement pas arriver à une contradiction si l'on n'utilise pas la règle de la coupure. Or, le grand théorème de Gentzen, son Hauptsatz,
c'est que, par exemple, dans le calcul de prédicats, bien évidemment dans le calcul des propositions, dans le calcul propositionnel, ça c'est même un exercice, enfin, un peu, un tout petit peu plus subtil. Mais pour le calcul des prédicats, pour l'arithmétique formelle, on peut, tout ce qui peut se démontrer, tout théorème se démontre sans utiliser la règle de la coupure. Peut se démontrer. Sans utiliser la règle de la coupure. La règle de la coupure. Sans utiliser la règle de la coupure. Et c'est ça l'élément absolument essentiel. Absolument essentiel. Alors, la démonstration de ce théorème, encore une fois, si on fait une séance, une autre séance un peu plus longue que celle d'aujourd'hui, je pourrais tout à fait exposer la démonstration de ce théorème pour le calcul des prédicats. Ça, c'est tout à fait réaliste pour une séance d'une heure vingt. Là, on n'a pas le temps, on n'a plus le temps. Mais... Alors, la démonstration de ce théorème, elle utilise l'induction transfinie. C'est pour cela que, par exemple, Tarski, l'approche de Gensen a assez souvent été critiquée en disant que le problème est réduit à un problème encore plus difficile. La critique la plus acidulée a été émise par Tarski, qui a dit que oui, j'ai vu la preuve de Gensen de l'absence de la consistance de l'arithmétique, mais franchement, je ne vois pas que je suis plus convaincu de la consistance de l'arithmétique qu'avant. Je ne vois pas que ma conviction a été augmentée de la consistance de l'arithmétique. Donc, la démonstration de Hauptsatz, de théorème principal de Gensen, utilise l'induction transfinie. Donc, effectivement, la consistance de l'arithmétique ou du calcul de prédicat se base sur une forme plus ou moins forte de l'induction, de l'axiome de l'induction transfinie. Moins forte pour le calcul de prédicat, plus forte pour l'arithmétique formelle. Et c'est cela le grand, on va dire, la grande contribution révolutionnaire de Gensen aux critiques ironiques de Tarski. On peut opposer l'opinion de Dirk von Dahlen, qui dit que l'œuvre de Gensen possède une beauté époustouflante, une beauté symphonique. Gensen découple la preuve de la consistance, découple l'essentiel élément constitutif, le motif essentiel, donc justement l'absence de la coupure. Pour démontrer cette dernière, il lui faut nécessairement, par le théorème de Gödel, il lui faut nécessairement aller au-delà de l'arithmétique formelle elle-même, il lui faut un fragment de l'induction transfinie, une forme de l'action de l'induction transfinie, d'une certaine force, qu'il estime avec une très grande précision. Il me reste le triste devoir de raconter
la fin de la vie de Gensen qui fut affreuse. Donc Gensen était professeur à l'université allemande de Prague. Donc là aussi, il y a une histoire extrêmement complexe. Excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Excusez-moi juste pour encore 30 secondes. C'est que je n'ai pas imprimé une page et mon ordinateur s'était en... Excusez-moi, 30 secondes. C'est vrai que les scénarios en présentiel, c'est à ce moment-là qu'on comprend l'importance des scénarios en présentiel. Voilà, excusez-moi. Je continue et je finis. L'université germanique de Prague, qui en ce moment précis était l'initiative du gouvernement nazi, mais en effet, il y a une histoire extrêmement complexe que dans le très peu de temps qui nous reste, je n'essaie même pas d'approfondir. La tension entre l'enseignement en allemand et l'enseignement en langue tchèque était bien présent lors de tout le règne de l'empereur François-Joseph Ier. Donc, encore une fois, c'était une problématique extrêmement complexe où et les professeurs allemands et les professeurs tchèques ne sont pas, n'ont pas toujours été à la hauteur de collégialité. Et évidemment, le conflit prenait souvent des tournures encore moins agréables que d'habitude dans les discussions académiques. En plus, les événements politiques, la chute de l'Empire apostolique, la République tchèque, ensuite l'arrivée du national-socialisme, changeait la donne politique d'un moment à l'autre et rendait les échanges encore plus acerbes. Et donc, Gensen était, donc au moment où Gensen y travaillait, il y avait deux universités à Prague, l'université allemande et l'université tchèque. Les deux se croyant héritiers de l'université fondée par l'empereur Charles IV, et dans les rapports, on va dire, moins que parfaitement harmonieux les uns avec les autres, et évidemment, sous le national-socialisme, avec une domination du côté allemand. Alors, il sera d'autant plus clair que quand l'armée soviétique arriva, l'université allemande, les professeurs allemands étaient en difficulté. Et Gensen, qui avait été assumé après qu'il avait été relâché de l'armée allemande, il aurait dû servir dans l'armée allemande, mais il n'a pas servi pour sa santé faible. Il a été assumé à l'université allemande de Prague, déjà pour enseigner tout un tas d'arguments très variés, comme par exemple sa première conférence se porte sur les lois de Kepler. Il devait enseigner des disciplines très variées, mais aussi devait-il participer au travail cryptographique directement pour les militaires du Reich, pour des raisons très peu claires. Il n'a pas voulu évader, il n'a pas voulu partir en Allemagne. Ses amis partaient en Allemagne, mais l'interprétation du biographe de Menzler-Trott est celle que
Gensen croyait que rien ne pouvait arriver à un mathématicien qui n'a jamais fait mal à personne. Ben, il allait bientôt découvrir qu'il se trompait. Quand l'université allemande n'existait plus, les professeurs étaient emprisonnés. Les tentatives étaient faites. C'est toujours bien plus difficile de découvrir après les faits à quel point ces tentatives utiles étaient fortes de libérer Gensen. Même les gens disent que les tentatives auraient été faites par les mathématiciens russes, mais il existe juste les rapports oraux et aucune documentation ne soutient pas cette thèse. Donc peut-être même, par exemple, les gens auraient pu chercher à intervenir auprès de Kolmogorov, qui était déjà membre de l'Académie, un mathématicien extrêmement influent dans l'Union soviétique. Mais il n'y a aucun document qui pourrait résoudre cette question. Il est clair que Kolmogorov connaissait les travaux de Gensen à cette époque. Je continue. Gensen était emprisonné. Il était emprisonné. Ils étaient mis dans des conditions assez affreuses. Donc, 80 personnes dans une cellule pour 20 personnes. Et surtout, il y avait un problème sérieux de nourriture. Apparemment, on les donnait à manger contre le travail. Or, lors d'une promenade, apparemment, une femme aurait lancé une pierre et avait investi Gensen, dont la santé était toujours plus fragile. Et la pierre jetée par la dame tchèque avait blessé ses mains, donc il ne pouvait plus travailler. Or, il ne pouvait plus manger. Et les rapports, il y a tout un nombre de témoins de sa mort. Ils disent qu'il continuait à penser à la consistance d'analyse. Donc, évidemment, après le calcul des prédicats et l'arithmétique formelle, il pensait à démontrer la consistance de l'analyse et qu'il pensait qu'il allait bientôt être libéré parce que cette situation ne pouvait pas durer, pensait-il, et qu'il allait partir en Allemagne et fonder un nouvel institut pour la recherche dans les fondements des mathématiques. Et c'est dans ces conditions qu'il meurt de l'épuisement provoqué par la malnutrition, que j'ai plusieurs fois évoqué sa santé fragile. Donc, il meurt à l'âge de 35 ans, le 4 août 1945. Et je finis mon exposé en citant une petite poésie que Gensen, à un gamin de 10 ans, aurait écrit pour sa mère, pour son anniversaire, qui en allemand va Komm Mama, das Wetter ist so schön, wir wollen ein Weilchen spazieren gehen. Und als sie gingen, da kamen sie bald in einen wunderschönen Wald. Das Kind, das pflückte Blumen dort und ging immer von Ort zu Ort. Ce qui, traduit en français, est le petit gamin parti cueillir des fleurs et alla incessamment d'un endroit à un autre. Merci beaucoup. Merci Sacha. Bravo. 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 Voilà, si vous voulez poser une ou deux questions, hein, sinon on remercie peut-être. Merci. Merci. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Bon, donc comme Sacha l'a dit, il m'a donné un extrait d'un livre, hein, où il y a des exercices là-dessus. Donc si vous voulez, on pourra, lors d'une prochaine séance, regarder un peu plus en détail ce qui est passé un peu vite au tableau, hein, pour comprendre. On s'amuse énormément, ce sont vraiment des jeux. Voilà, c'est comme cueillir des fleurs. Okay. Un petit jeu de l'énuque. D'accord, merci. Voilà, ben merci à tous et puis donc à bientôt. Donc le club, on se retrouve pour une séance habituelle le samedi 24 avril. Et d'ici là, il y a le TFJM. Donc ceux du TFJM passeront leur compétition et je vous transmettrai le lien pour les suivre quand je les aurai. Donc je lui demande si Sacha peut. Est-ce que M. Buffletov pourra de nouveau intervenir? Donc, quand vous voulez, je suis aux ordres de mon supérieur hiérarchique, M. Julien Cassaigne. Il dit je fais. Voilà, donc on pourra prévoir effectivement de nouvelles séances comme ça. Et puis... Il suffit de commander. Voilà. Et si d'autres collègues, je vois qu'il y a des mathématiciens qui étaient dans l'auditoire, si ça vous a donné envie de participer au club, hein, de présenter un sujet qui vous tient à cœur, donc sous la forme que vous voulez, ça peut être une conférence, ça peut être des exercices, ça peut être une discussion, ça peut être une construction de quelque chose, vous êtes les bienvenus pour proposer des choses au club. Et envoie-moi l'enregistrement, s'il te plaît. Alors voilà, donc je vais arrêter l'enregistrement s'il n'y a plus de questions sur le sujet.